J'ai une pensée aussi à la Côte d'Ivoire qui célèbre aujourd'hui la journée nationale de la paix dans un contexte de tensions sociales et politiques qui malheureusement ont provoqué de nombreuses victimes. Je m'unis à la prière pour obtenir du Seigneur le don de la concorde nationale et j'exhorte tous les enfants de ce cher pays à collaborer responsablement à la réconciliation et à une cohabitation sereine. J'encourage tout particulièrement les acteurs politiques à rétablir un climat de confiance réciproque et de dialogue dans la recherche de solutions justes qui sauvegardent et promeuvent le bien commun.